D'abord, ils vont nettoyer le sol, puis ils vont démonter les maisons. Après, ils vont mettre un parc et des terrains de foot. Ils vont mettre des plaines de jeux, des parcs, des bancs pour les vieilles personnes. Ils vont mettre des bancs pour les personnes âgées. Oui, pour les vieux. Ils vont construire des terrains de sport, des parcs, des bancs pour les personnes âgées. Où tu joues? À la piscine, moi j'aime bien. Moi, je joue sur le trottoir, sur la route, avec mes amis. Je n'aime pas jouer. Moi, je joue près des rails de tram et sur le trottoir. Et moi, j'aime rien du tout comme jouer. J'aime bien jouer avec mes amis à un jeu qu'ils doivent nous frapper. Et ça m'amuse. J'aime bien jouer dans les plaines de jeux, sur les balançoires avec ma meilleure amie. J'aime bien jouer dans les plaines de jeux qui sont ici un peu de tout. J'aime bien partir au parc, accueillir des fleurs et tout ce qui est calme et propre. On pourrait inviter quelques amis là-bas, par exemple faire des soirées, organiser un petit goûter avec des amis. Et moi j'aime bien construire des cabanes et jouer là. Ici, il y aura une plaine de jeu organisée qui durera 2 ans. Sauter, danser, jouer à cache-cache. Il y a le parcours, mais il sert à rien. Il y a des jeux sont cassés, il y a rien à faire. Il y a des trous. Il y a des trous. Il y a rien. Vas-y. Madame, ils vont faire un terrain ici. Une piscine. C'est pas fait pour s'asseoir. Ah c'est oui. Pas fait pour s'asseoir. On s'est adapté parce qu'on n'avait pas le choix. Hein. C'était comme ça, c'était comme ça. Ah, c'est celui qui a fait ça. Je pense qu'il a passé par toute la fenêtre. Tout regarde, c'est là que ça va mettre 10. Ouais, ah les gars, on dirait des sauvages quand vous faites ça. Je crois qu'il va falloir prévoir des lianes. Ouais, c'est dangereux ça. Ça, il faut un peu montrer le talent. Il faut un peu les costauds. Bah, vas-y, montre alors. Vous allez où? Nulle part, parking. Et des fois, on se passe qu'à Saint-Denis pour aller au parc. Parce qu'il n'y a pas de parc ici. Pour des jeunes de notre âge, il n'y a rien. Il n'y a même pas un espace où ça sort, même des bancs, c'est des bancs pieds. Moi, personnellement, je tiens les murs. Je tiens les murs, après ça, il n'y a rien. Mais quoi? Tiens les murs. Ah, les murs, je tiens les murs, d'accord. Des lapins, donc une plaine de jeu avec des animaux. Oui, madame. Il y a le trajet. Ah, mais casse. Il y a ça, par là, l'autre par là. Alors. Ah, là, je suis sur moi. En fait, on est parti, on a couru. On a trouvé une femme. Un peu folle. Un peu, ouais, on peut dire un peu folle. Elle commence à nous dire. Est-ce que vous avez payé? On rentre dans les garages, c'est tout. On rentre dans les magasins, on se cache dans les magasins. Pour un comme de l'aise, on se cache là. On cache là-bas, on sait pas se cacher. Comme le parking, on va on les a trouvés, voilà. C'est... Ah, on les a trouvés. Là-bas, on marche, là-bas. Il y a 2 ans, là-bas, c'était notre cachette secrète. Maintenant, tout le monde le connaît. Donc voilà, comme ça.
avez vu, on aime vraiment trop cet endroit. Il y a des jeux, il y a des folles qui sont bizarres, alors on aime bien jouer. Il y a des garçons qui fument, alors on peut pas venir ici parce qu'ils fument la cigarette ou sinon la chicha. Et ou sinon, avant, ils cachaient des chichas dans les fleurs. Parce que moi, c'est trop loin de la maison, mais quand même, je suis une fille petite, mais je peux pas venir là tout seul. Je voudrais dire qu'avant, ici, c'était très chouette. Il y avait des toboggans, des cages à poules, des balançoires. Je venais toujours m'amuser avec mes sœurs, mes frères. Maintenant, ils ont tout enlevé pour mettre ce genre de choses. Je voudrais bien qu'ils remettent ce qu'il y avait avant, parce que c'était 10 fois mieux. Ici, il y avait un terrain. Maintenant, les jeunes disent qu'on préférait qu'on s'était le terrain. Mais ici, dans le terrain, on devait racler. Non, on demande, on allait dans la maison chercher les raclettes, on les loupes. Alors que maintenant il y a une salle, c'est chauffé. Récemment, nous on avait des revendications des jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré à l'époque, on a concerté des jeunes. Enfin, nous on a concerté des jeunes. Ils disaient non, on ne veut pas jouer dehors comme ça. C'est fini cette situation, ce qu'on doit faire. On veut une salle. Là-bas c'est calme et là-bas il y a du bruit. Là-bas c'est de place pour marcher dans le trottoir. Trop de voitures, pollution. Il y a le train, il y a les voitures, il y a le bus, le train. Ceux qui habitent ici, ils n'ont pas de chance. Moi je me sens pas bien parce que les trottoirs sont plus petits et il y a beaucoup de voitures qui passent. Non, j'aime pas les bruits du train. C'est un peu doux, c'est comme la musique. C'est faux, il fait beaucoup trop de bruit. Ces enfants-là, est-ce qu'ils ont besoin d'une plaine de jeux pour jouer? Non. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des bâtons, de notre groupe. Ouais. Comme ça, on peut se battre. S'il n'y a pas beaucoup de voitures, on peut aller sur c'est vide. On peut aller sur la route. Comme il y a des arbres, on peut monter dans les arbres. Moi, mes amis dans des cabanes au parc et puis on inventait quoi. À quoi ils ont besoin pour jouer? C'est la foulard. La foulard, voilà. Est-ce que ça vous semble un bon lieu de rencontre ça? Oui. C'est quoi ton terrain de jeu idéal? Pour toi? Un terrain vague, ouais. Des cachettes. Des bâtiments abandonnés et des cachettes et des voitures abandonnées. Voilà les rails de chemin de fer, hein. Voilà l'entrée qui pour le moment est fermée, et voilà la grille. Est-ce que vous trouveriez marrant
d'imaginer un terrain qui soit plein de bosses comme ça. Nous, moi aussi, si, nous, comme des dunes avec tout ça. Creux, bosses. D'accord. Ok, d'accord. Prends une forme, tu la mets dans ton creux et ce sera votre voiture abandonnée. Non, c'est mieux un trampoline comme ça, tu sautes ensuite. Il y a sur les bosses, tu voudrais mettre quelques arbres. Très bien, vas-y, mets des arbres sur les bosses. On fait des. Comment on met la couche avec les arbres, avec les arbres? Une sorte de parc d'aventure. Où on mettrait des lianes, des grottes. On peut faire comme un petit lac et après là-dedans, on met des canards. Qu'est-ce qu'il y avait ici de faire une scène? C'était toi? C'était toi une scène? C'est ici les bancs. On fait une zone de barbecue ou pas? Oui, oui. Il y a pas de bruit pour ici, le barbecue. À côté du canal. Non, il faudra pas, surtout pas mettre de la fosse, sinon ça va sentir. La nature va être cachée. Voilà. Cachée.